Bonjour à tous et bienvenue pour ce sixième épisode de ma campagne Skaven dans Mordheim. Alors, on enchaîne. On avait dit qu'on ferait certainement cette mission, je crois, la dernière fois. Voilà. Chaque bande se déploie en large arc de cercle autour de son chariot, loin l'une de l'autre. C'est ce que je préfère, surtout quand on joue Skaven, puisque il vaut mieux de grouper quand on joue Skaven. À un contre un, ça marche pas bien. Ah, Tom Sacré, je pense que ce sont des sœurs de bataille. Donc attention, ça frappe très fort aussi ça. Alors, ça marche comment? J'ai pas l'impression. 1, 2, 3, 4. Où sont les autres? Non, tout le monde est là en fait. Donc ici j'ai de la mat pierre à récupérer avec lui, ça ferait 1, 2, 3, c'est pas mal. Le champion pourrait venir ici, récupérer ça. Ah non, récupérer ici. Je pense que la bagarre elle aura lieu ici, donc il vaut mieux. Donc toi c'est bon. Toi c'est bien, t'es bien placé. Toi par contre, t'es pas bien placé parce que t'es où? T'es à côté et moi je veux que tu sois plutôt là. Donc à côté de mon carte. Est-ce que c'est ici que je voulais? Non, c'est de l'autre côté évidemment. Là on est bien. Donc ça c'est un tank. Ouais c'est bien. J'ai fait une connerie, mais c'est pas grave. C'est bien. Il faudrait que j'ai quelqu'un avec moi. Ici, là, ce serait bien. Non, mais c'est bien. Et le dernier. Ouais, c'est très bien ça. Alors, vous voyez, là, c'est typiquement le cas où, effectivement, je suis... bien plus rapide que lui en initiative. Donc avec ce qu'on a évoqué, ce qui peut être positif ou négatif en fonction du moment où on se rejoint. Donc ça c'est bon. Donc ce serait bien dans cette baraque. On va essayer de voir si on peut l'atteindre tout de suite. Ah non, c'est pas du tout dans la baraque, c'est au pied de celle-ci. Donc c'est tout, en face de toi et sur la droite. Oui, je suis bigleux puisque je suis déjà passé dessus. Eh ben. Ok, donc c'est bon. Ce sont les autres qui vont peut-être être plus difficiles à trouver. Donc il y en a une juste ici. Et donc en hauteur, est-ce qu'on peut monter ici? Non. Ok,
Ok, c'est ici, mais ça doit être en hauteur. Donc vous voyez, avec la pastille, je... C'est au-dessus, je pense. Avec la pastille, je peux me balader quasiment dans toute la maison si je la place bien. J'espère que je n'ai pas perdu mon temps à venir ici. Donc on va aller aider là-bas. Donc c'est par ici. Ta mission, c'est de protéger ce gars. On va pas trop loin. On essaie de se placer à peu près correctement. Ouais, je pense qu'on va se battre autour de cette place. Hein. Alors toi. Tu vas faire ça. Tu vas faire un petit tour de ce côté-là, je voudrais savoir où on peut monter là. Donc là, je vais pas jouer pendant un petit moment, puisqu'il y a tous ces personnages. Alors, il prend des pierres aussi. Donc il faut qu'on trouve Isolda Pfering. Notez que bien sûr les pierres ici elles disparaissent pas hein, alors que c'est certainement ces pierres là que l'équipe adverse a ramassé hein. Mais ce serait trop simple si on voyait les pierres disparaître, on saurait donc que les persos ennemis sont là. A new round has started. Alors toi, t'avais un truc à ramasser, c'était où? C'est là. Alors là, vous voyez le corps qui est là, c'est aussi un trésor. Alors toi, tu cherchais ça. Allez, maintenant, il va falloir qu'on y aille. Je regarde quand même sur la map, mais je pense qu'on est bon. Hein. Alors, on va voir si on peut aller chercher celle-là, mais... Bon. Allez, c'est parti, on descend. Donc là, je suis nord-nord-ouest. On est bien, donc si on peut descendre par là, c'est pas mal aussi. Hein. Alors par contre, vous voyez, ça n'a donné la vue avec tout ce qui se passe autour. Alors ils sont loin. Mais ils sont là quand même.
Apparemment, je suis bigleux, hein, je vous jure. Ah oui, purée, oui. Je confirme, je suis bigleux, par contre. Ok, donc on va aller retourner au coin là-bas. Qu'on va venir par ici. Est-ce qu'on peut aller chercher ce petit ombre écarlate? Je sais plus ce que ça fait. Chance de finir une blessure. Ouais, c'est un truc que je vendrais, ça, hein, de toute façon. Allez, on commence à regrouper tout le monde par ici. Toi aussi. Alors ça, ok. Je vois. Donc toi, tu vas essayer de récupérer ça. 13 couronnes, je crache pas dessus. Donc attention aux planches là. Vous voyez, cette zone-là, elle est pas mal pour bloquer quelqu'un ou un groupe. Ah, et toi, t'étais très loin, je pense, de tout. Et je pense qu'il faut que tu reviennes. Voilà. Alors, c'est vrai. Ah non, j'en ai vraiment besoin. Une grappe, ça se refuse pas. Bon, et puis il est pas si loin, donc il pourra rentrer dans le combat ensuite. Ok, donc là ils vont tous se déplacer. Alors parfois ils montrent la caméra où est-ce que ça, le déplacement se déroule, donc ça veut dire que peut-être ce serait à gauche ici. Allez savoir. Voyez, ce serait bien ça. Hein. Ok, ça c'est très très bien. Donc il joue à l'embuscade aussi. Donc c'est pas du tout des sœurs de bataille. Si, ah si, c'est peut-être des sœurs de bataille en fait. Si, si, ce sont les sœurs de bataille. Ok, on engage. Ça, ça m'arrange. Aïe. Oh la vache. Putain, ces armes à deux mains, elles sont terribles. Hein. Alors, le problème, c'est que... Il faut pas que je le laisse tout seul, lui. Hein. Vous voyez, elle est en hauteur, là-haut. Alors ça, c'est certainement le champion ennemi. Enfin, le leader ennemi, d'ailleurs. A new round has started. Ok, donc toi, ça c'est pas mal du tout. Allez, la même chose. Donc je vais ramener mon tank s'il peut pour essayer de l'aider. Donc toi, c'est pas toi, non, toi, tu vas essayer de venir ici. J'ai eu la charge. Putain, 76 pour 72, hélas. Donc, toi... Non, toi, c'est pas ça. Ouais, c'est là. Alors, je vais essayer d'attraper ça.
Donc là, l'astuce, hein, c'était de passer un peu sur le cercle de mon collègue pour ne pas prendre la contre-charge ici, la charge ici. Alors ça, c'est super bien. Ah oui, j'ai Isolda aussi à récupérer en mission secondaire. Alors toi, c'est bon, t'as fait ton taf. Tu reviens là. Est-ce qu'on peut passer ici? Non, je peux pas passer. Hein. Est-ce que je peux venir ici? Donc vous avez vu, hein, je suis passé bien sur le cercle de mon... Alors j'ai pas de posture par contre. Ok, provoque. Ça c'est cool. Alors toi, puisque t'es venu... Allez, le poison est passé, c'est super. C'est toujours pas elle d'ailleurs. Hein. Pourquoi... Est-ce que j'ai moins d'esquive? Ah, j'ai peut-être un... J'ai peut-être un debuff que j'ai pris en ramassant des pierres. Ah bah non, c'est dommage. J'aurais préféré que tu rates ton geste. Putain. Frappe comme une brute celle-ci. Ok, ils sont encore assez loin quand même. Donc j'ai le temps de traiter sûrement les trois qui sont là avant que ça arrive. Ok, ramasse des pierres. C'est bien que l'IA fasse la même chose, hein, qu'elle vise aussi la... Aïe, 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 aïe. Je sais pas où elle va le chef. Top, 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 calme-toi, calme-toi. A new round has started. Putain, il lui reste 16 PV. Allez, faut le tuer. Faut la tuer, elle. Putain, c'est pas possible. 79 pour 71. J'ai fait quoi comme connerie? Ah là, j'ai fait une belle connerie. Ah, j'ai peut-être pas deux attaques, en fait. Non, non, j'ai peut-être pas fait de connerie. Alors, est-ce qu'on peut faire ça ou ça? Parce que ça... Je peux attaquer. Et les autres pourront le finir. Pareil. Et genre... Allez, tue. Donc le moral baisse de 9 seulement. On va ramasser quand même. Je pense pas que c'était ça, non. Alors, je vais ramasser ça. Je sais, je suis très gourmand. Ça, c'est fait. Donc toi, tu vas attaquer ici. Ça c'est bien. Donc s'ils rassent leur thèse d'isolement, ils perdent leur point d'action quasiment, donc ils n'ont pas le droit à grand chose. Alors toi, il faut que tu tues cette fille. Ça c'est nickel. Ah là là, il faut absolument que je prenne. Alors il y a une astuce, il me semble.
Ok. Normalement, j'ai verrouillé les choses ici. Alors. Je vais me mettre ici. Et je vais me mettre... en embuscade. Putain, je le crois pas. Il est où mon tank? J'avais pas emmené un deuxième tank? En fait, j'ai l'impression que tout le monde est allé du même côté. J'ai laissé mon champion tout seul. Bah, il va peut-être mourir avec mes bêtises. Ce sera une bonne leçon. Ok, bah reste là-bas, ça m'arrange. Voilà, j'ai bien fait ça. Donc, là, sur... Putain! La catastrophe! A new round has started. Il lui reste 24 PV. Je vais jamais y arriver. Ok. Ça c'est bien. Alors j'aimerais comprendre pourquoi j'ai ça. Ah, j'ai pris des gros malus en fait. De toute façon. J'ai mal joué, c'est clair et net. Hein. Et je continue d'ailleurs. Est-ce que ça passe ici ou pas? Ça va passer. Tout à fait. Alors, il faut que je regarde où on est du moral. Ouais, non, il faut encore que ça tombe. Celle dont il faut que je ramasse le l'icône. Est-ce que je peux rajouter encore quelqu'un? Alors j'essaierai bien ici, vous voyez. Ah, il faut qu'il rate les tests d'isolement, ce serait cool. Attention. Il y a cette vilaine qui a tué mon champion qui est là. Putain, elle a réussi son tel. Your warband morale is critically low. Ok, morale low. D'abord j'ai perdu mes deux gros... T'as réussi le test d'isolement, je le crois pas. Hein. A new round has started. Et ben voilà, encore une défaite. Alors là, attention les yeux. Mes deux champions sont tombés. Oh la vache, ça joue à pas grand chose, je suis sûr. Scurry, hurry, hide, crawl, listen, follow, filch and warband, not meat. Ok. Ok. Remarkable. Donc il s'en sort bien, malgré la défaite. Alors, blessure ouverte. Je crois que c'est... On va voir si je le m'en débarrasse pas, si je l'échange pas en fait. Ok. Eh ouais, forcément,
Si j'avais réussi la mission, j'aurais eu plus. Hein. La mission secondaire, j'étais pas loin en plus. New warriors are available for hire. Vous gagnez un emplacement pour un héros supplémentaire. Vous pouvez à présent recruter un nouveau type de héros. Votre chariot peut à présent contenir 3 objets supplémentaires. Buff de Lidl. Ok. Donc ça, ça va avec ma bande. Alors, on va déjà regarder ça. Je dois être sûr de comprendre. Sa vigilance est réduite de 1. Donc j'ai 308. Qui je peux recruter? Oui, je me demande si je vais pas recommencer un nouveau champion en fait. Donc ça sert à rien de vendre. Enfin de. Alors par contre, je peux pas récupérer son matos. Je pense que je vais le virer celui-là. Mais sauf que pour le virer, il faut le soigner, je pense. Je le renvoie. Et on va recruter à nouveau. Et on va recruter mon premier globadier. You are progressing nicely. Ok, donc bah c'est un pas en avant et deux pas en arrière, donc là on paye tout. Donc on va faire nos montées. Donc l'intelligence, on a dit que je le montais. Donc ça c'est très bien. Alors je suis quand même à 98. J'en ai quand même récupéré pas mal du coup, c'est ça que ça veut dire. Donc là, rien. Toi, on va où ? On va chercher de la force. Capacité de combat. Toi, t'as rien. Toi, t'as rien. Toi, t'es nouveau. Donc maintenant, on va regarder un peu en équipement. Alors, je pense que j'ai perdu mes pistolets à Malpierre, du coup. Hein. Donc, là, on n'a rien de spécial. C'est ça. Mon seul équipement bleu, je l'ai paumé, dites donc. Alors, toi, je vais pas te mettre une épée, je vais te mettre une masse, plutôt. Et de toute façon, il sera souvent en pistolet. Et d'ailleurs, on va lui mettre par défaut les pistolets. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Alors, on a fait deux pas en avant, un pas en arrière. Donc, lui est niveau 2. Niveau 1 tank, niveau 1, niveau 1. 0, 0, ça c'est le nouveau. Ok. Bon, bah c'est les aléas, hein, je vous avais dit. Donc, il reste 4 jours. Donc c'est très bon, donc je fais ça. 3 days left. Use them well. Market stock has been replenished. Alors ça c'est un autre aspect intéressant. C'est que pourquoi je le vois pas là? Ça devrait pas être comme ça normalement. Justement parce qu'il vient de me dire qu'il avait été refait le. Ah regardez. Ça veut dire qu'effectivement il y a des événements qui font aussi que parfois bah non il n'y a pas de. Alors brutal, difficile. Alors je suis à quoi en valeur de bande d'ailleurs? Je suis à 659 et la mission des quais est à 700. Donc on va pas la faire tout de suite. Alors par contre ça c'est pas terrible. Ah on va. Je pense qu'on ira faire ça. Il y a pas mal de Malpierre, alors c'est difficile. On va essayer d'être prudent. Hein. Qu'est-ce que je vous dise? On va quand même envoyer une fois les éclairs. C'est pareil. Donc je vais pas redépenser. Du coup, je ferai plutôt celle-là, je pense, hein, d'ailleurs. Parce
Parce que condamner à mort, je pense que c'est les écussons. Alors écraser leur volonté, c'est piquer leurs insignes. Est-ce que je dépense 12? Non. On va garder ça comme ça. Alors par contre, ce que je voudrais voir, c'est est-ce que je peux vendre des trucs. Alors ça, voilà. Ça, par exemple, je vais le vendre. Alors j'en ai plusieurs en plus. Alors ça, c'est quoi? On va vendre aussi. Tromblon, je peux pas l'utiliser. On vend. Hache, on vend. Marteau, on vend. Épée à deux mains. Vous voyez, il y a tout un tas d'objets qu'on ne peut pas de toute façon utiliser. Donc autant les vendre. C'est pareil pour l'arc. Fléau, on vend. Voilà, ça nous a fait un peu de sous. En plus, on en a récupéré quelques-uns, des fléaux. Des boucliers, je pense que tout le monde en a, donc c'est pas très intéressant. Alors, système vétéran. Donc, acheteur, c'est quoi? Se gagne en dépensant. Je sais pas ce que ça veut dire. Réduit le prix. Niveau suivant. Ça pourtant je l'ai fait il me semble, mais bon. Enfin, je l'ai pas fini, hein, mais bon. Écoutez, on va. On verra ça plus tard. Bon. Dans tous les cas, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je vous dis à très vite pour la suite.